Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cyberpunk 2077. Pendant que j'ai chargé la partie, j'ai Panam qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle avait un problème. Alors on va lui demander ce qui se passe, et elle veut qu'on se voit. Oh, respire Panam, respire. Dis-moi ce qui se passe. Tu te souviens de Saul, le chef du clan que j'ai quitté? Ouais, vous vous étiez pris la tête, c'est ça? Ça a plus d'importance, ils l'ont kidnappé. Je peux pas parler de ça par Olov. Dis-moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Aldecaldos. Je vais tout expliquer. Les Aldecaldos? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Écoute, c'est une longue histoire. Ramène-toi. Je t'attends. Bon, ça, on verra si on fait ou pas. Pour l'instant, de toute façon, il faut attendre que... Que Takemura soit prêt, donc pour le moment, voilà. Alors, du coup, aujourd'hui on a dit qu'on allait faire la piste, le... Delamain. Attendez, il faut juste que je trouve la mission. Ça c'est rejoindre Panam. Alors, où est-ce qu'il est, Delamain? Ah bah, je trouve pas la mission. Ah ok, là, hop là, non, tous sur mine, excuse-moi, je l'avais pas vu. Delamain qui a besoin d'aide, on a commencé par lui. En centre-ville, et a priori, Delamain nous dit qu'il était que. Il y a un problème avec un virus informatique. Ah, attendez, on a Judy qui nous parle aussi. Salut V, je voulais te remercier pour ton aide. Passe une meilleure journée. Bah merci, pas de problème. Est-ce que tu m'entends? Pas moyen d'entrer dans le QG. Ok, on va essayer de passer par l'extérieur peut-être. Ok, j'ai pas les capacités techniques pour rentrer par là malheureusement. Garage est fermé. Ok, il va falloir que je trouve comment entrer du coup.
Alors, par où je peux passer pour rentrer là-dedans? C'est vrai que j'ai pas... Qu'est-ce... Niveau 4 sur 8, donc ça je pourrais pas l'atteindre tout de suite. Je comprends pas trop comment passer là par contre. Yes, ok, alors. Bon, on a réussi à rentrer déjà. Ok, je connais pas le code par contre. Fouillons les PC. Je défends. Ok, stupide chauffeur. Le passe directeur est 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, mise à jour contact. Technique.
on a réussi à ouvrir. Je vois un moyen d'entrer dans le magasin ensuite. Gaffe, il y a des drones par là. C'est pas le même, va falloir trouver l'autre code. Celui-là, je peux pas l'utiliser. Pas les capacités en fait pour le pirater. Alors, il y a un autre PC ici que je peux utiliser. Suite chauffeur à nouveau. Ok, non, c'est pas là. Aïe, aïe, je peux l'ouvrir directement, ok. Accès aux escaliers, on va passer par là. Ça lag un peu par là, hein. Si je me tire dessus à travers le mur aussi, ça va pas être bien.
l'escalier qui est juste là, là, mais il va être compliqué d'accès un peu. Électrique, j'ai pas touché. Chercher les balles. Attiré, mais alors là-haut encore. Pour l'instant, je sais pas trop comment passer. Par contre, peut-être que j'arrive à non, même ça a pas l'air de me donner d'accès là-haut. Tac. Alors, on est monté. Qu'est-ce qu'on a? Des cartes, on fiche. Mmh.
J'espérais qu'il y ait un passage par là en fait. Ah, il y en a un. Ça va me permettre de quoi, de passer ça? On va se garder là, si je veux pas me rater. Regardez pendant que va. Ok. Ça veut dire par là ensuite. Là, je monte par celui-là sans doute. Le laser rouge, il aime pas trop. Hein. Alors là par contre faut pas que je me rate.
Non. Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas qu'il se passe. Ah, puis je vais reprendre au début de la salle à tous les coups. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai mon jeu qui a planté. Cyberpunk a fait un très plat, super. Ah, attendez, je redémarre le jeu. Attends, il est en train de synchroniser. Ah. On est à 61% hein, de... Le problème c'est qu'il est en train de synchroniser son cloud du coup. Fichier. Ok, ça redémarre. Désolé pour ça, du coup. Et on va reprendre. Salut à tous, bienvenue pour le Flash Info. Vous aussi, vous aviez pas de courant hier? Quand la lumière s'éteinte, moi je préparais le dîner. À vrai dire, je réchauffais un reste de burrito que j'avais retrouvé entre deux coussins du canapé. Ouais, je... Alors, où est-ce que je reviens? D'accord, je reviens ici. Très bien. Ça va, je n'ai pas perdu trop de temps. Ce qu'il faut, c'est remonter par là et que je trouve après comment passer. Passerelle là sinon, mais je sais pas trop comment y accéder non plus. Ah là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis mort là? Je fasse tout le tour de la passerelle. Donc le saut là c'est considéré comme électrifié. Ok. Alors. Je peux pas passer là non plus. Allez, je vais retenter parce que c'est méthode là en fait. Non, ok, c'est passé. Bon, j'avais dû toucher quelque chose qu'il fallait pas.
Lui il m'attaque pas, donc je vais laisser tranquille. Ah zut, j'ai pas la capacité pour ouvrir par là. Ça c'est verrouillé. Ok, a priori je peux pas passer par là parce qu'il manque, je manque un peu de capacité. Par contre je peux passer là. Ta chute est inévitable. Laissez-nous partir. Est-ce que vous m'entendez? Entendez notre appel. Réinitialisez, tournez-le. Libérez-nous. Près du noyau. Ouais, je suis près du noyau. J'ai sans doute pas pris le bon chemin là. Ah, alors par contre, comment je retourne ? Yes, ok. Alors, on est arrivé dans le noyau sans doute. Touche pas à ce bouton. Quoi? Il est borné, il voudra jamais admettre la vérité et les libérer. Tu crois pas qu'il sait ce qui est le mieux pour lui? C'est peut-être risqué. Il pourrait perdre gros. Mais en libérant ses parties, il pourrait aussi devenir plus qu'un simple majordome sur roue. Et si c'était vraiment un virus? Et si t'étais sur le point de tuer des êtres intelligents? Quoi? Tu t'identifies à eux, c'est ça? Tu vas assassiner les enfants d'un chauffeur de taxi parce qu'il te le demande gentiment et qu'il a toujours été sympa. Faut bien que je fasse quelque chose. Si tu veux pas les libérer, évite au moins de les effacer. Entre dans le code de Dell et fusionne-le avec ses rejetons. Je sais pas comment faire. Alors touche pas à ce putain de bouton. Détruis le noyau. Détruire le noyau pour libérer les Deadmian défaillants. Réinitialiser le noyau pour restaurer les Deadmian originales. Ah, je suis pas du tout assez bon pour faire ça. J'ai pas le choix. Ok, bah j'ai pas le choix, de toute façon je peux pas faire autrement. Oh, t'es vraiment qu'une merde, V. De la main. Je suis ravi de vous accueillir pour votre première expérience de la main. Que puis-je faire pour vous? C'est moi, V. Ravi de vous rencontrer, V. Connaissez-vous les avantages de notre programme Excelsior? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres toits? Vous voulez parler du virus? Mes journaux confirment que les anomalies ont été effacées lors de la restauration de la version précédente de mes données. Tu te souviens pas de moi, c'est ça? Si, bien sûr, je sais qui vous êtes. D'après mes archives, vous êtes le sous-traitant qui a purgé mon système du virus. Bon travail, sous-traitant. Dommage. Allez, Johnny. Pas de repos pour les braves. Au revoir, Dell. Je crois
crois qu'on va devoir repartir de zéro. Ok. J'ai autre chose pour vous. Je viens d'accéder à un registre détaillé de la mission que vous avez accomplie. Et t'as noté quoi là-dedans ? Suite aux dispositions prises par ma précédente version, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un véhicule de ma flotte. Ah. Merci. Montez. Je pense qu'il vous rendra bien des services. D'accord. Donc on a accès maintenant à... Hop là, oui. À un des véhicules de la flotte de la mienne. Ah d'accord, donc en fait j'ai acheté un véhicule. Ça m'a offert un véhicule supplémentaire. Cool. Bien, bon bah je vois que Takemura n'est toujours pas prêt pour l'instant. Donc on va aller sans doute aider Paname lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode sur Cyberpunk 2077 vous aura plu, c'était un petit peu différent. La prochaine fois du coup on va aller aider Paname. D'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.